Bonjour à mes enfants et bonjour au monde, Vaidera, partisan du vivant, j'espère que vous allez bien. Info importante, le 6 août, il y a le câble sous-marin SAT-3 et WAX qui a été sectionné par un éboulement, toujours au même endroit, hein, au niveau du Congo. Et pourquoi je dis toujours au même endroit? Parce que j'ai creusé un petit peu et il s'avère qu'en janvier, il y a eu exactement le même phénomène. Ils l'ont réparé, puis en avril, le même phénomène. Ok. Et puis, il faut voir les conséquences. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est un ralentissement de l'Internet en Afrique. Et puis, il y a ce consortium là qui dit, vous inquiétez pas, on a prévu le coup, hein, donc on a dévié tout le trafic sur une ligne sécurisée pour vous permettre de pouvoir utiliser Internet en toute sérénité. Notre bateau qui va réparer tout ce merdier va mettre un mois pour arriver sur place. Et ensuite, on compte encore les délais de la réparation, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un avertissement pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a des bourses. La plus importante, c'est Johannesburg, et ensuite, juste derrière, c'est celle d'Égypte. Donc je ne vous cache pas qu'avec un Internet ralenti, toutes les transactions, c'est une catastrophe. Et puis, il y a ce conseil des BRICS, là, la semaine prochaine, en Afrique du Sud. Oh là là, bon, je vais faire une vidéo à thème, hein, plein de recherches, et puis on va faire ça. Voilà, c'était juste pour annoncer le truc. Allez, santé sur vous, au revoir.